rhythm's messing up your hair. They'll trip you up, give you a flat tire, or make your socks go missing in the dryer. Yo, I make mischief anywhere, and you may not even believe they're there. Let me introduce you to my friend. He's found a way to connect with them. He's got a Hey y'a tout le monde, c'est Fluffy. Aujourd'hui on se retrouve avec Nexus. Comme d'hab. Voilà, comme d'hab. Pour le 12e épisode de Yukaiwatch. Ouais. Donc on se retrouve avec un fond vert totalement bugué derrière nous, ne vous inquiétez pas, c'est normal. J'ai pas réussi à le régler, en fait on a changé de drap, tout simplement. Et voilà, on n'aurait pas dû. Donc on se retrouve devant les Bingo Kai, hein, pour utiliser nos pièces. Donc, par jour. On va vous parler un petit peu de vendredi soir. Hein. Nous avons fait un live sur Yukaiwatch, donc nous avons eu samedi soir. Hein. Donc nous avons eu Shogunyan, hein, un yokai légendaire, rang S. Ok. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre, hein? On a expé un petit peu nos yokai, donc vous avez la rediff du live qui est disponible si jamais. Hein. Voilà. Et c'est tout ce qu'on a dit. On a appris beaucoup de choses. Oui, on a appris beaucoup de choses, hein. Pourquoi Contrario on y est. D'accord. Ok. Bien. Contrarioni. Ok, bon, on va lui donner un nom d'abonné. Vas-y, choisis. Picalol. D'accord, Picalol. Est-ce que tu peux le barrer, s'il te plaît? Oui. Picalol. Oui, oui. Voilà. Ça se fait. Et on va utiliser une troisième pièce. Ok. D'ailleurs, s'il y a des abonnés qui savent à quoi servent les couleurs des pièces et à qu'est-ce que ça change au niveau du Bingo Kai, ce serait sympa dans les commentaires. Ouais, ça c'est vrai. Parce que pour le coup, on n'en sait pas grand-chose. Hein. Je crois que c'est un yokai encore là-dedans. On a déjà celui-là. Ouais. Bah on l'a déjà, donc on le prend pas. Hein. Non, on n'a pas de nom d'abonné, on l'a déjà. Ouais, on l'a déjà, c'est nul. Hein. Voilà, alors aujourd'hui qu'est-ce qu'on va faire? Vous avez voté à la majorité pour qu'on passe le rang A en vidéo et non pas hors cam. Donc on va faire le rang A en vidéo. Tout de suite là maintenant. Tout de suite là maintenant, vu qu'on avait pris la quête. Hein. Ah, tout ce qu'il nous faut normalement. Ouais. Les filles rang A, voilà. Ah bah il nous en reste que deux à faire d'ailleurs. Où est-ce qu'on en a battu un, hein? C'est une très bonne question. Et comment on sait lequel des deux on a battu? Avec lequel des trois on a battu? Oh là là. Ok, bon, alors, on va essayer de trouver Livrion. Attends, parce que... Ah non, Benkei! Tu l'as pas fait dans les égouts? Si. C'est Benkei que j'ai fait. C'est Benkei que j'ai fait dans les égouts. Effectivement. Bravo, hein. Il était trop classe, j'ai dit, hey, il fait bien, je vais lui parler et tout. Du coup, ouais, c'est Benkei que j'ai fait dans les égouts, effectivement. Bravo, parce que monsieur a joué vite fait en off. Je lui ai dit, mais non, mais pas dans les égouts, est-ce que c'est quelque chose à faire avec les abonnés et tout. Bravo. Ouais, tant pis. Si vous voulez, je vous montre l'endroit où j'ai trouvé. Hein. Je me souviens encore. Ouais, c'est pas grave. Bah, je voulais expliquer un petit peu notre yoki légendaire. Ouais, notre Shogunyan. Je vais vous le montrer après. Et là, il est niveau 11 pour le moment, donc j'aurais bien aimé le monter chaud, hein. Niveau 30. Enfin, au moins niveau 20 pour qu'on puisse faire la suite, justement, pour la vidéo. Ouais, mais pour le coup, on va. Enfin, moi je vais retourner au fil du temps, voir s'il nous dit un petit peu plus d'informations sur retrouver les yokai. Hein. Tout simplement. Ok. C'était là-bas au fil du temps. Hein. C'est ça. Parce que ça, c'est vrai que c'est dommage qu'ils nous mettent pas de drapeau pour nos quêtes. Et s'il y en a. Il y a un drapeau pour les personnages, mais par contre, uniquement. Ah bah tiens, ouais, d'ailleurs, t'as un télémire. Ça évitera de taper tout le chemin à chaque fois.
Le premier s'appelle Benkei, tu le trouveras à l'entrée des égouts. Voilà, c'est celui-là que t'as eu. À côté de la gare, hein, ok. Le deuxième s'appelle Birion. Pour le trouver, trouve l'entrée des égouts le long du fleuve Ah bah il se trouve tous les trois dans les égouts. Ok, bah je vais trouver. Fleuve de la Corniche, hein, et fleuve du haut. Ok, donc lui on l'a réveillé, ça c'est cool. Hein. Mais j'ai pas le réflexe encore d'utiliser les télémires. Hein. Ça revient à faire un vol quoi. Donc il a dit un fleuve à côté du fleuve au haut. Ouais, c'est... Donc le haut du Grand Val c'est là-bas, déjà pour commencer. Ouais. Ok. Du coup faut que tu trouves des plaques d'égout. Ouais. Et c'est quoi le fleuve hein? C'est quoi ce qu'ils appellent le fleuve hein? Bah je pense que c'est ce qui est à gauche. À gauche? Là? Oui. Ah, où ce qui passe là? Tu vas croiser de l'eau là. Voilà. Là tu croises de l'eau. Ah. Là faudrait que tu vois. Ah tu vois, il y a une plaque d'égout là-haut. Non, tu peux pas y rentrer, mon copine. Ok les amis, on a trouvé une entrée d'égout, je pense que c'est la bonne. Oui, regardez, il y a le drapeau là-bas. On a eu beaucoup. De chance, donc je crois que c'est Librion. Voilà. Après, il est classe. Ouais, grave. C'est ce lion en rouge. Oh, bah justement, parlons de. On va essayer de leur donner de la bouffe. Non, pas des burgers, de la viande. Au-dessus, il y a du lard, voilà. Une pièce de poulet. Poulet ou lard, je pense, les deux vont bien. Non, pas sur la vie. Ah, oui, merde. Ah, je peux pas utiliser sur les noms. Ah, peut-être que c'est un peu spécial. Ah mince, oui c'est vrai, qu'eux ils sont beaucoup plus forts, on va peut-être faire des amis quand même. Hein. Moi j'étais partie pour laisser faire le truc, tu vois. Donc eux ils sont pas bien plus forts que ça, quoi. Ça y a rien que j'en avais deux. On a pas le d'esprit. Ah c'est vrai que notre Komasan a évolué en fait pendant le live aussi. Ah oui, notre Komasan a évolué. Oui c'est vrai ça. Il est hein. Voilà. Ouf, 4 up, pas mal ça. Normal. Donc là on a fait Librion. Très bien, donc il nous en reste plus qu'un autre à faire, hein. Qui est au crépuscule, non? Non. Qui est, je sais plus où. À la corniche? Je sais plus. Si, si, c'est le fleuve de la corniche. Ah, c'est là. Je suis sûr, c'est là. En haut, en haut, en haut. Ah ouais. Ah bah oui, il est juste là-bas. Et BG, hein. Ouais, c'est lui, non? C'est ça. Ouais, congèle, hein. Eh hey. Voilà, nickel. Nickel. On va utiliser notre yokai rang S là, c'est lui qu'on a eu. Shogunian. Zoutria. Oui, Zoutria. Enfin, du coup, est-ce que ça va lancer son ami? Voilà, il est trop mignon. Il est méga fort. Ouais, il est que niveau 12. Ah, hein. Il est niveau 12, mais il est ultra fort. Hein. En même temps, c'est un rang S. Hein. Mm. J'ai envie de te dire, ça explique des choses. Hein. Allez, on va retourner au fil du temps. On avait que... Ok les amis, nous voilà au fil du temps. On va montrer notre Yuki Watch en A. Je dois dire que je suis impressionnée, cette Yuki était plutôt coriace. Hein. Oui, oui, d'accord. Allez, on se dépêche d'améliorer la Yuki Watch. Y'a pas le feu, je vous ai promis, je vais l'améliorer, donne-la moi. Je mets ça là, je mets ça ici, et voilà, c'est fini. Ok, on a eu une Yuki Watch rang A. Parfait, un valet d'élite, comme moi, devrait servir quelqu'un à rang élevé. Tu as raison, je vais pouvoir trouver un tas de Yuki maintenant. Ah ah, j'aime ton enthousiasme, allons trouver des paquets de Yuki. Je pense que vous le savez déjà, mais... Il faut faire attention aux Yuki puissants qu'on va rencontrer. Exactement, je suis sûr que vous arriverez à vous en sortir. Je crois que notre aventure vient d'être surclassée en première classe. Défi rang A, quête terminée. Mais... Oh, ok, magique. Ouais, mais normalement, il y a une autre, il y a un autre rang après le rang A. Le rang S, oui. Ouh. On sait déjà ça. Ouais. Étoiles dansantes, c'est quoi ces étoiles dansantes? Je sais pas ce que c'est, dites-nous si vous savez ce que c'est les étoiles dansantes. Peut-être, je crois qu'on me l'a déjà dit en commentaire. J'ai un doute. Ah, on a gagné. Je sais pas, quand on fait une animation joyeuse, c'est en général qu'on a gagné. Et on gagne un truc à chaque fois. Ouais. Je vais voir si on peut prendre... Ah non, regarde. Chelou. Je sais pas comment on fait pour avoir... Peut-être que c'est plus tard qu'on... Peut-être un besoin d'une quête spéciale ou on tue un boss tu te fais avoir là. Ouais. Et du coup on va pouvoir aller à notre clinique du je sais plus quoi, hein. Du crépuscule je crois. Je crois que c'était ça. Ah dites. Mais ah mais de... Ah d'accord. J'essayais de faire de l'illégalité. Il y avait une autoroute sur le chemin. Putain mais ils me font chier. Oh. Le fille qui rage au calme.
Oh non. Oh non. Mais monsieur, j'ai traversé, mais ma main exprès. Ouais, vas-y, défonce-nous. Bon, c'est la première fois déjà qu'on rencontre le père Fouettard. En épisode, on l'a croisé en live après qu'on nous ait dit que c'était possible, hein. Bah sinon, enfin, moi personnellement, j'y aurais jamais pensé, tu vois. Donc on nous a dit qu'il fallait au moins être niveau 70 pour pouvoir le vaincre, donc c'est pas possible. On nous a dit 90 même. Oui, voilà. Donc, hein, on va le laisser faire ce qu'il a à faire avec nous, hein. Gratiment. Ça lui aime, hein. Ça va, comment il nous insulte, hein. Moi, je sais pas à quoi ça va être. Moi, je préfère voir qu'est-ce qu'il nous fait gagner, surtout en fait, hein. Tu vois. On est fait. Ouais, si on fait. Sale gamin. Animano, elle résiste vachement, hein. Ouais, c'est celle qui a plus de points de vie. Ou pas. Ouais, j'espère que ça me renvoie pas chez moi par contre, hein. Bah si. Oh non. Bah si. Oh non. Utiliser tes lumières. Non. Ah. Ok. Oui, oui, si on ne suit pas les règles, on va être puni. Nanani, nanana. Écoutez, et pourquoi ils ont fait ça dans le jeu? J'sais Je pense pas. Que c'était pour une leçon pour les plus jeunes. Hein. Faut que ton vélo. Tu penses qu'il faut que j'arrête? C'est bon. Ouais. Ah non. What the fuck. Ce jeu est trop bizarre. Hein. Ok, donc la clinique. Ah mais c'est là où on avait rencontré Kyubi la première fois. Exactement. Ah. Tu es sûr qu'il y a un mauvais yokai là-bas? Ouais, fais-moi confiance, je vois tout. Cet endroit est sinistre comme jamais, finissons-en. Je me demande ce qui nous attend à l'intérieur. Ça vous intéresse, nous? On aime les défis. J'espère qu'on va pouvoir sauvegarder, surtout une fois à l'intérieur. Pourquoi? Il y a un bleu yeux et un télémire en plus. On peut pas sauvegarder. Il y a un bleu yeux? Ouais. On peut sauvegarder avec le bleu yeux, non? Bah non. Ah si. Bah si, tu vois. Ah. Ok, mais bon, on va avancer un petit peu encore parce que mine de rien, ça fait pas non plus des masques qu'on filme. Hein. On a fait juste en face. Oh, non. Je crois qu'il faut parler à des Garoni. Bienvenue à la clinique yokai, que puis-je faire pour vous? Êtes-vous un réceptionniste yokai? Eh bien, je suis un gardien du zoo yokai, ça c'est sûr. Écoutez, nous offrons actuellement un bilan de santé gratuit. Question, le soin gratuit, ça c'est une affaire. Ce gardien de cette égaronie peut nous conduire au directeur de la clinique. Il sait peut-être faire quelque chose sur le yokai que nous recherchons. Ce draconien dit vrai alors. Vite. Faire ce bilan de santé. Tu es sûr, il y a quelque chose ici, ça me fait froid dans le dos. Ne me dis pas que tu as peur, Fafi. Draconien a sa boule de cristal et nous on a notre instinct. De quoi tu as peur? On doit arrêter ce méchant yokai. Je n'ai pas peur, j'essaie juste de réfléchir avant tout, c'est tout. Quand vous serez prêt, dirigez-vous vers la salle de consultation 1. Arrête tes inepties, allons-y, Fafi. Ne t'inquiète pas, je suis juste derrière toi s'il y a un problème. J'ai un vrai pressentiment. Il y a une froid dans le dos, ce... Moi, personnellement, j'irais pas me faire ausculter dans un hôpital aussi glauque, hein. Ça, c'est clair. Tu vas où, là? Ah oui, là. Bah, ici. Oh là là... Je vais vous mesurer, mettez-vous sur le stadiomètre. Eh, hey, il y a des Pégases. N'empêche que tu sais que les Pégases, ils sont en B ou A. Ouais. Je vais juste vous mesurer. Ne vous mettez pas sur la pointe des pieds, d'accord? Vous choisissez quoi? Position normale. Moi j'aurais été du genre à le faire chier et à me mettre justement sur la pointe des pieds, tu vois. 1 m 41 cm. Ah bah on n'est pas loin les mois, dis donc. Ça correspond bien à la taille moyenne de votre âge. D'après mon espèce, si vous grandissez encore. Sauf que moi c'est fini depuis longtemps. Vous avez de la chance, moi je ne vais plus grandir. Donc vous êtes un adulte? Bien sûr, vous feriez mieux d'examiner. Vous feriez examiner par un enfant, vous vérifiant votre vue. Vous allez entendre un petit message, faites ce qu'il dira. Veuillez vous diriger vers la consultation 2. Qui peut bien faire cette annonce? Je ne sais pas, mais j'ai hâte de savoir. Dépêchons-nous. C'est étrange, hein. Je te jure que moi j'irai pas. C'est grave. Pégase! Bah, c'est trop classe. Ouais, c'est grave classe, mais oh! Mais y a pas de porte! C'est à gauche, à droite. Monte, tu montes. On s'en fout du Pégase, tu le chopes. Mais non, regarde, les portes sont signalées par un truc blanc. Mais tu vas à droite, là. À droite. Mais, ah, oh, voilà. Mais non, il n'y a pas de porte. Ah oui. Bah bravo. Mais t'as trouvé le coffre. Je m'en fous du coffre. Faut que tu fasses le tour, tout simplement. Tu je serais passé par la droite, moi. Ah ouais.
bien là par là, non? Ah ouais, par là aussi ça marche. Oh, il est trop classe celui-là. Ce truc là? Une... Je sais pas ce que c'est, mais... Allez, salle de consultation 2. On va tester votre vue, on peut commencer. C'est quoi cette voix chelou? Testons votre vision, je vais vous montrer une image, alors dites-moi ce que vous voyez. Que voyez-vous en face de vous? C'est assez difficile, donc je vais vous donner un indice. Alors, les abonnés, est-ce un gorille ou des bananes, hein? Moi j'aurais mis un gorille. Moi aussi, franchement. Exactement, des bananes. Vous devez avoir des yeux de gorille affamés pour être capable de voir ça. Vous avez sûrement envie de bananes autant qu'un gorille, n'est-ce pas? Pas du tout, mais pourquoi êtes-vous aussi fasciné par les gorilles? Peu importe, maintenant qu'on a fait des yeux, on peut passer aux radios. Faites comme l'indiquera l'annonce, hein. Radiographie, premier étage. Et c'est grave chelou. Quel est le but de tous ces tests, hein? Mais réfléchis un peu, Fluffy. Une combattante doit savoir dans quelle forme elle est. Comment veux-tu connaître tes limites sans un examen approfondi? Mais je ne me bats pas vraiment, en fait, hein. Ce n'est pas le sujet. Allons à la salle de radiographie. J'ai peur, moi. Mais pourquoi t'as peur? De quoi? T'as une boîte à gauche. T'as une boîte à gauche. Ah ouais. Bien joué. Monsieur Wabouat. Ok, une bague normale. Ok, la fin montée. Oh là là, il y a un fauteuil roulant qui avance tout seul. Hein. C'est tout à fait normal. Il est joli, lui. À toi de voir. En fait, il y a deux boîtes, surtout les boîtes que je veux, moi. Une amulette vide. Hein. Ok, une bague normale, une amulette vide. Il y a un point en curie. Ok. Non, tu ne me rates pas. Bonjour. C'est l'heure de vous faire votre radio, allons-y. Je vais faire votre radiographie, hein, ne bougez pas. Prenez une propre inspiration et retenez-la bien. Et voilà. Oula. Imagine l'hôpital comme ça. Comment j'irais pas? Moi je dirais... Hé, ah, hey, salut. En fait, je vais bien. Non, mais merci de votre patience. Jetons un œil à votre radiographie. C'est une image de votre cœur. Il est chelou. Il a un nez et des yeux. Examinons ça de plus près. Alors c'est du bon boulot, hein. C'est bizarre. C'est génial. C'est bizarre. C'est génial. Et bien c'est merveilleux, votre cœur est en forme et en pleine énergie. Voilà, Fifi, je ne savais pas que tu avais un animal dans le dent. J'ignorais que les humains pouvaient faire ça. Quelle vallée de lune tu fais? J'en ai aucune idée de ce que je viens de voir, hein. Examen complet, fait par le directeur lui-même. Attendez l'annonce. Allez dans la salle du directeur. Enfin, on va pouvoir avoir un examen au niveau de... J'ai le sentiment que tu sortirais fraîche comme un garçon, Fifi. Oui, il est aussi enthousiaste, le fantôme. Ah. Ah non! Tu ne me rappuies. Pourquoi ils font des espèces de raccourcis comme ça, là? Je sais pas. Poupée d'argent. On m'a dit que la poupée d'or se vendait 600 euros. Hein. C'est pas trop mal. C'est même plus que bien, oui. C'est acheter un 3D sculpture board. Attends, c'est que j'ai vu qu'il y avait une boîte ici. Yeah. Il va pas à droite, tu sais. Oh, oh. On va l'utiliser tout de suite sur notre ami là. Zotri, ah, sur notre rang S. Là, okay. là, S. Un peu mieux, voilà. Zotria. 2000 points XP. Oh oui. Parfait. Ça fait du bien. Bonjour. Ah si, vous êtes Fluffy. J'ai quelques questions à vous poser. Dormez-vous bien, ce n'étant? Des maux de tête? Vous dénosez. Non, enfin oui, je dors bien, rien de particulier sinon. Je vois, et auriez-vous vu des choses étranges? Vous voulez dire plus étranges que ça? Oui, bien, si ok par exemple. Vous avez vu de votre assistant juste dehors, hein? Mon assistant? Ce n'est pas bon du tout. Vous devez être surmené. On dirait que vous êtes bonne pour un changement de cœur, en tout cas. Oula, carrément! Oui, la salle d'opération pendant que je ne peux pas repérer. Ok. Genre il va changer notre cœur comme ça? Au calme, hein. En même temps, il avait des yeux et une bouche, notre cœur. J'ai ça, j'ai rien, hein. Que voulait-il dire par changement de cœur, hein?
Je suis sûr qu'il veut juste te revigorer et te requinquer dans pire de bois. Il a probablement quelques indices sur la Yoke que nous recherchons. C'est le directeur de la clinique après tout, suivons ses directives. Mais il a parlé d'une opération. Sûrement un réflexe professionnel, je t'aiderai si quelque chose arrive. Que pourrait-il arriver avec moi à tes côtés? Que pourrait-il bien m'arriver? Bah vie, moi on me parle d'opération, comment je ressors en courant? Je sais pas toi, mais moi... Je sais pas vous, mais moi je me suis jamais fait opérer de ma vie. Je pense qu'il faut passer en arrière, ou alors il faut tomber. Et je vous avoue que là, si on me parle d'opération, personnellement, moi je suis pas chaude, hein. Ah, il faut remonter. Ah, descendre. Bah ouais, mais il y avait un super objet là-bas. J'aimerais bien choper les bois-boîtes aussi un petit peu, hein. Une étoile d'entente. Ça, il faut vraiment qu'on nous dise à quoi ça sert. Bah, ce qui paraît, c'est un collectionneur qui les a. Tu sais que t'as vu un super objet? Bah, je sais plus, en fait. Ah, c'était là! Mais je suis pas sûr que ce soit un super objet, en fait, hein. Sorci, c'est un vieux truc de merde, hein. Plaisir. Ah, un Pégase qui nous attaque, hein. Ah, c'est des méphitos, maintenant. Un pack qui a trop la classe. C'est l'évolution de Gamalex. Oh, grave, il est trop beau! Ce moment où tu regrettes. À sorci, Gamalex, il devient en A, hein. Il y a moyen, ouais. Dites-nous si vous savez si... ou alors si vous avez le temps d'aller sur internet, des trucs comme ça, histoire de communiquer un petit peu avec vous. Et en quel rang évolue Gamalex, hein? Quel niveau? Il y a quel niveau? Histoire d'un petit peu être plus au courant. Ouais, j'essaye de récupérer trop un petit peu... avec ton sabre et tout. J'essaye de récupérer un petit peu les objets, parce qu'on m'a dit que parfois on pouvait vraiment récupérer des trucs super intéressants dans les bois-boîtes. Dans les bois-boîtes. Bah oui, dans les bois-boîtes. Non, il faut les monter. Non, bah non, il faut descendre. Souvent. C'est vrai? Oui. Ah. C'est pour ça que je t'ai dit que t'aurais pu descendre dans le trou. Mais il y avait un trou? Bah oui, il y avait un trou. Ah mince. Et je pense que tu serais tombé là. Juste là, là où il y a les bois-boîtes. Donc je pense qu'il va falloir que tu remontes. Hop. Oh! Je sais que je dessine mal, mais quand même, hein. Je vous permets pas. J'aurais peut-être pas dû utiliser la multime pour ça. Je pense, ouais. Ouais, bon, c'est pas grave. Par contre, ce qui est cool, c'est qu'il donne quand même pas mal d'expérience ici, hein. Oui. What the fuck, y'a un lit, là? Ouais, je sais. Mais là-bas, il y a un bleu yeux pour soigner. Grosse tapette. Est-ce qu'on irait pas sur le lit la prochaine fois? Non, on peut continuer. On continue? Oui. Oh, vous le remercierez dans les commentaires, hein. Ça fait une demi-heure, c'est pas grave. J'y serais pas allée. Oh, mes aïeux Fluffy. J'espère que tout va bien se passer. Ne t'inquiète pas, je suis là. Je serai juste là, à tes côtés, quand l'opération sera finie. Hein, qu'est-ce que... Ah, Fluffy! Fluffy, tu m'entends? Oh la vache! ça a pas l'air bien stérile, maintenant, Fluffy, votre truc, hein. Montez sur cette table d'opération. Ce serait donc aussi simple, le boss Yokai et le directeur de la clinique. Whisper! Belle intuition, Fluffy. Veuillez rester calme à présent. Je suis navré de vous dire que vous êtes dans un... critique. Oh my god! C'est qui lui, Docteur Jobar? Comme c'est une opération, c'est une salle de l'heure qu'une minute. Une fois votre cœur retiré, vous ne sentirez plus rien. Quoi, non? Oh my god, il va me choper mon cœur! Il va me choper mon cœur. Hey, Docteur Jobar! Et comment on l'a, tu penses? C'est quoi son point faible? Le cœur! Le cœur! Bah oui, mais il faut d'abord taper le truc de gauche, je pense. Je pense que c'est son cœur. Moi, je pense que c'est la perfusion. Je peux pas la viser. Bah si, le cœur. Quoi? Le cœur, alors. Le cœur.
Ah, y'a merde, c'est Mimi qu'il faut purifier. Et l'œil. Les gros sont de l'œil quand même. Ouais, mais regarde, il perd de la vie hein, sur son cœur. Hein. Effectivement. Il me semble qu'il va se soigner, non? Ah, ah oui, c'est ça qu'on nous a dit, c'est qu'il fallait tuer les petits cœurs parce que ça lui faisait remachiner de la vie. Non, gauche, droite. Mais attendez, c'est super chaud le truc là. C'est un petit cœur qui est apparu. Oh là là. Bah ouais, mais attends, je fais des amultimes aussi en même temps parce que mon gars, c'est chaud, hein. Ouais. Ok. Alors tu peux choper le cœur, tu peux détruire un cœur et un truc bleu aussi. Ok, bien joué. Il est en mode quoi, là? Je sais pas, mais je peux purifier. Ah, c'est une safe zone. Okay. Méga chance. Oh là là, 394. Ouais, j'aurais peut-être dû faire des annultimes, je sais pas, mais Ah, c'est pas grave, c'est pas grave. Il s'est réveillé. Mince. Pas grave, au moins ça m'a permis de purifier, tu vois. Je pense qu'on est plutôt bon à trouver bien, on a encore pas utilisé d'objet. On va voir ce qu'il sera capable de faire après. Ah, il va lancer une multi. Ah, cocktail mortel. Ah, quand même, hein. Ah, ça les a... Ok, tous les trois, ils sont... Ok. Il y a un petit cœur qui est apparu, d'ailleurs. Faudrait que je lance le truc de Hugo. Qui soigne, hein. Ouais. Il y a deux cœurs qui sont apparus. Ouais, ouais, je vais les tuer. Mais il faut que je lance la multi de Hugo, hein. Heureusement qu'on nous a dit pendant le live quand même que les petits cœurs lui rendaient la vie. Parfait. Bon, je sais pas si ça va nous servir à grand chose le rang S niveau je sais pas combien, mais... Il est pas trop mal, niveau 16 je crois. Eh quand même hein. Hein. J'ai plus de dégâts que... Ah, j'ai pas visé son cœur, t'as vu? Ouais. Ah, et il me les envoûte hein. Il y a des cœurs à détruire. Ouais. Ok, nickel. Ah, encore. Allez, touche. Ah, il a eu longtemps ce pété là hein. Qu'est-ce que c'est pas ton coin? Il y a un cœur qui s'est apparu. Sur qui tu vas mettre ça? Sur Okatsu. Il y a un cœur qui est apparu hein, en haut à gauche. Merci. Allez, hop. Il y en a un autre qui est apparu. Ok. Ah, ils sont tous Ah, c'est grave chaud mon gars hein. Ouais, il y a un cœur qui est apparu. Il fait... Oh là là. Son cœur. Détruis le cœur vite. Ah, il a récupéré putain. Ah mince. En priorité les cœurs avant de purifier hein. Tu peux purifier ta tombe de cœur. Ça désactive juste les amultis hein. Côté mortel. Ouh. Ouais. Ça c'est pas dans... ça avait pas énormément de dégâts côté mortel. Par contre ça avait tous. C'est un peu casse-couille. T'as un cœur là-haut à gauche. Ok. C'est chiant. T'as un cœur en bas à droite. Soigner, hein. Aïe aïe aïe. Qu'est-ce que tu cherches? Bah un truc pour rendre des poids de vin à Marika. Ok. En haut à gauche aussi t'en as un autre. Ok, parfait. Y'a un cœur ouais, qui est réapparu. Ouais, j'ai vu.
Aïe 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 aïe. Ok, okay, c'est bientôt fini, c'est bientôt fini. T'as un cœur qui est apparu. T'en as deux goûter, t'as un cœur qui est apparu. Voilà, c'est bon, il a pas récupéré, parfait. Ok, et en plus il est il est pas bien. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Ouais, tu dois faire ce que je veux dire. Bon, du coup, tu devrais mettre tout dans l'attaque, du coup, je dirais ego. Ouais, mais du coup, tu as la multime prête, hein, en prête. Effectivement. Et la multime ego, ça a rien. J'ai pas visé le cœur. C'est pas grave. Non, mais en tout cas, ça touche, t'inquiète. Hein. Là, il y a qu'une seule cible à avoir sur tous les cas, donc t'inquiète, il touche. Hein. C'est bon. Merde, raté. Ah, il s'est réveillé. Allez, attaque-le! Ah maintenant, vas-y! Okatsu! C'est bon, on l'a eu! Wouhou! On est au taquet. On est au taquet! On est au taquet! Il était chaud, hein. Par contre, il faut vraiment viser les cœurs, les gens. Hein. Oh my goodness! 4451... 361... Ok! Impossible, battu par une espèce d'enfant, c'est juste pas... J'ai pas mal. Oups, je suppose que c'est moi qui t'ai entraîné là-dedans. Désolé. Oh, il y a l'animalon qui est sorti, donc. Je me suis inquiété pendant un instant, mais tu as été débrouillé comme un chef. Bon travail, donc tu as trouvé les indices pendant ce combat. Si Yuka a crié un nom avant de disparaître. Oh, vraiment? Peut-être le nom de la personne qui est derrière ces derniers événements. Qu'est-ce qu'il y a? C'est mon intuition de valet qui me le dit. Je ne peux pas me tromper deux fois de suite, n'est-ce pas? Ton intuition, t'as pas vraiment toute ma confiance, Whisper. Je ne vois pas absolument pas de quoi tu parles. Mon taux de succès est très au-dessus de la moyenne, d'abord. La bouboule. Hé, Fuffy, j'ai une sensation bizarre au haut de la tête. Tu peux voir ce qu'il y a? La boule de cristal te montre quelque chose. Non. Oh, classe. Mes chers yokai, n'attendons plus. Mettons la tentacule à la patte et contrôlons les humains. Montrons-leur qui sont les maîtres. Il est temps de faire ventouse basse sur le monde des humains. Nous avons le vent en poulpe. Bon, j'ai fait de meilleures blagues, mais j'aimerais bien vous y voir. C'est difficile d'être en colère et marrant. Notre heure est venue à présent. Oh my god, David Jones. On dirait David Jones. Bref. C'était qui? On dirait que si Yuka se prépare à envahir le monde des humains. Ce dieu de la clinique était sûrement l'un des leurs. Si on ne fait rien, le monde des humains sera bientôt envahi de vilains yokai. Mon père m'avait prévenu quand je suis arrivé ici, mais il a aussi dit l'amitié entre un humain et yokai est plus puissante que le mal. Ce sont de sages paroles, Dracune. Le Yuki Watch unifie les cœurs des humains et des yokai. Ensemble, on peut protéger les humains et les yokai de tout. Alors rêve, Fifi. Oui. Cependant, je dois dire qu'on en a déjà fait assez fait pour aujourd'hui. Tu m'as l'air assez fatigué, Fluffy. Après tout ce qui s'est passé, comment ne pas l'être? Elle a failli se faire retirer le cœur, mais à part ça, tout va bien. Hein. Peut-être que je devrais consulter pour mes problèmes de fatigue. Ah, c'est vrai que c'était drôle. Enfin voilà, nous aussi, je pense qu'on en a assez fait pour aujourd'hui. Hein? Et qu'on va se retrouver jeudi pour le prochain épisode de Yokai Watch. C'est ça. Allez, et tu me tiens mon écouteur. Bye bye. Salut !